Bonjour, nous sommes ici au lycée professionnel et CFA Jules Verne où nous avons la possibilité de mettre en avant un élève méritant qui est un élève apprenti qui a brillamment réussi au concours général des métiers. Le concours général des métiers, c'est aussi une plus-value pour un élève issu d'une voie professionnelle dans le cadre de l'apprentissage ou de la statut scolaire, mais qui permet de donner sur son CV vraiment une carte de visite sur la qualité de ce qu'il est capable de mettre en œuvre. Bien accompagné par le CFA académique, nous avons des outils à disposition qui permettent de donner aux élèves un excellent parcours et des enseignants qui accueillent cet élève qui ont une grande qualité professionnelle. C'est une fierté d'avoir un élève qui réussit au concours général, bien placé. C'est la deuxième fois que nous avons des élèves qui sont primés au concours général. Et je pense peut-être aller à la Sorbonne, qui est peut-être la phase ultime d'une récompense. Voilà, nous sommes très fiers de Quentin. Alors, je m'appelle Quentin Descharles, j'ai 17 ans et je suis en formation technicien menuisier agenceur. Alors, tout d'abord, j'ai choisi cette formation parce que depuis petit, je vois mon père travailler. Qui lui-même est menuisier, et donc j'allais souvent avec lui et ce métier m'intéressait. Alors donc cette année j'ai préparé le concours général des métiers. Le concours il est dans tous les métiers, mais là c'était plus le technicien menuisier agenceur du coup. Il fallait préparer l'écrit, il y avait une 70aine de participants, donc il fallait qualifier dans les 12 premiers pour pouvoir aller ensuite à l'atelier. Et donc j'étais qualifié dans les 12 premiers. J'ai donc révisé l'atelier. J'ai tout signé à l'époque, tout ce que j'avais pas encore fait. Et après, j'étais à Arras et le passé. Et ça s'est bien passé. Alors moi, dans l'atelier, principalement, je préfère manipuler le bois, le travailler pour apprévoir le résultat. Ça demandait beaucoup de temps, mais je l'ai fait. Et dans l'ensemble, je suis plutôt content de moi.